d'encercler leur adversaire à deux. Alors, c'est parti. Les deux se font face. Un breton a réussi à passer une comtoise, la filée au sol. Allez, une troisième bombe. Elle va l'avancer bretonne. Oh, l'Astier a fait une très belle protection de son homologue breton. Le Goldman. Alors, il y a une erreur, la lance limousine en fait sans croix et vont même continuer à combattre. 4 à 0 pour les comptoirs. Merci à vous, l'argent. Voilà, je vous invite en fait à continuer à combattre. C'est leur nombre minimal pour essayer d'encercler leur adversaire. Donc, tout est bien. Souvent, les combattants, c'est plus de la PIS, c'est plus accessible. Ça veut dire que la qualité est meilleure. Souvent, il est compliqué de discuter pour les ajustements. Et heureusement, j'ai toujours des acteurs d'armure français. Et une excellente réputation dans le milieu de la forge. Ils sont présents pour qu'ils aient pu savoir ce que c'est que ça. Et c'est reparti pour ce deuxième round. Engagement timide sur ma gauche. Voilà, ça commence à charger au centre. On peut voir le dolmen breton qui charge au centre. Oh, joli stick. Allez, la stick pour toi est vraiment très énervé. Le coup de hache qui sonne. Un autre breton mis par terre. Ça tombe à toute berzingue. Ils sont plus que 3 comptoirs. Stop. Fin du round, c'était 4 comptoirs. 4 à 0. 4 à 0 pour les comptoirs. Les comptoirs remportent donc ce match.